Salut à tous, donc aujourd'hui c'est le 22e jour en Thaïlande, donc là je quitte Kampang Phet pour aller à Bangkok. Donc j'ai mon bus à 9h30, donc j'ai à peu près 20 minutes pour y aller. Du coup Kampang Phet, un petit débrief. C'est sympa, franchement c'est le parc historique est très, très sympa. Le night market aussi, ça vaut le coup. Par contre du coup il parle pas du tout anglais. Donc bon, on arrive à se faire comprendre avec des gestes, avec des Google Traductions, des choses comme ça. L'hôtel était bien, sauf qu'il n'y avait pas de connexion internet, donc ça c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'isolation et comme on est en face de du fleuve, en fait juste de l'autre côté, il y avait tous les soirs de la musique à fond. Donc bon, les boules caisses, ça sert quand même. Voilà, donc là du coup je vais aller chercher mon bus pour me taper 4 heures de transport pour arriver, je pense, vers 13h à Bangkok. Donc, ça y est, je suis dans le bus. C'est un bus comme ça. Là, je suis 20 minutes en avance. Il n'est que 9h10 et je vais partir à 9h30. Et j'arrive. Je ne sais pas quand. Donc, on va voir. Je pense qu'on a pour à peu près 4-5 heures. Ça. Et puis voilà, du coup j'ai oublié de vous dire aussi qu'en fait il y a quand même pas mal de chiens. Je suis assez surpris, il y a beaucoup de chiens. Ce matin j'ai pris mon petit déjeuner à l'hôtel. Et donc c'était compris dans le prix de la chambre. Et en fait c'est un petit déjeuner traditionnel thaïlandais. Donc c'est du riz, des pâtes, un curry vert au poulet. Après il y avait des toasts et du café ou du chocolat chaud. J'ai pris un curry vert et par contre il était fait pour les Thaïs parce qu'il m'a arraché la gueule. C'était quelque chose de très fort. Donc du coup j'ai pris du pain pour éponger tout ça. Donc voilà, du coup si c'est intéressant pendant le voyage, je vais filmer, sinon on se retrouve à Bangkok. Du thé, du café, une bouteille d'eau, un petit jus d'orange. Du coup, dans le bus, on avait la télé. Alors, au début, on avait eu un film. C'était God of Egypt. Et puis, on peut incliner nos fauteuils comme ça pour pouvoir dormir. Donc là, il est 14h26. On est parti à 9h28. Voilà, donc ça va bientôt faire 5 heures. Et je pense qu'on est arrivé dans une demi-heure. Ça y est, du coup, là, pour moi, il est 6h30. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé à la gare de bus à 15h30, 16h, je crois. À 15h30, ouais, ça doit être ça. J'ai mis à peu près 5 heures pour revenir. Après, le temps de trouver un taxi pour m'amener jusqu'à la station de métro. D'ailleurs, ça m'a coûté. Quand on rentre dans le taxi, c'est 35 bahts d'office. Donc après, pour aller jusqu'à la station de métro, j'avais pas longtemps à faire, mais vu la chaleur qu'il faisait et mon gros sac, du coup j'en ai mis pour 40 bahts en tout. Ensuite, le temps de prendre le métro qui m'amène jusqu'à la gare de Hoa Lampong. Donc là où ma guest house, donc c'est celle-là, elle est juste à côté. Voilà, donc là, du coup après j'en ai profité, comme il y a internet ici, j'ai profité pour mettre mes vidéos en ligne. Et puis du coup là, comme il est 6h30, je vais regarder, j'ai vu qu'il y avait un night market pas loin, donc je pense que je vais aller là-bas pour m'acheter à manger, et comme j'ai pas fini ma salade de légumes d'hier, je vais la compléter. Donc on va regarder ça tout de suite. Vous voulez voir la circulation à Bangkok, les bouchons que ça fait? Voilà, donc là on est sur un axe principal. Il y a beaucoup de routes qui sont comme ça, où il y a vraiment du monde. Donc en voiture, c'est difficile de circuler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Thaïlandais qui prennent le scooter. Bon, du coup, je suis arrivé devant un night market, donc je pense que je vais trouver mon bonheur là-dedans. Donc il va jusqu'au bout de la rue, sur trois allées, je crois. Et en fait, à l'entrée, il y a un Burger King dans un temple. Enfin, dans un bâtiment en forme de temple. C'est assez... insolite.
Donc on va aller regarder, donc c'est un night market, donc il y a des ceintures, des lunettes, des t-shirts, des tongs, un peu de tout. Donc on va aller faire un tour là-dedans. Vous voulez voir la plus petite rue de Bangkok? Eh ben elle est là. Voilà. Je crois que c'est la plus petite. Et nous après on va par là. Donc là on est vraiment dans des rues typiques de Bangkok où il n'y a pas de touristes, il n'y a que des Thaïlandais. Donc on va par là. Donc là on peut laver notre linge si on veut. Et donc notre guest house est juste là. Donc, ma guest house c'est le Cozy Bangkok Place. Franchement c'est plutôt pas mal. Donc, ça c'est l'intérieur. Donc là, on peut manger. On a une cuisine ici en bas, une petite terrasse. Et après, donc, il faut déposer nos chaussures ici. On pourra monter dans les chambres. Donc en face là-bas il y a des toilettes. C'est plutôt sympa. Ma chambre elle est là. Bon bah du coup pas grand chose aujourd'hui bilan de la journée. Beaucoup de transport, donc le bus. Bon, c'était bien, enfin hein, c'était un bon bus. Hein. Rien à dire, c'était un peu long. Ensuite pour partir du bus, du terminal de bus, c'est un peu la merde. C'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de taxis, beaucoup de tuk-tuk qui vous alpaguent et pour vous emmener là où vous voulez, mais c'est assez cher. Le taxi me proposait 500, 600 bahts. Donc bah, forcément, j'ai refusé, c'était beaucoup trop cher. Et puis du coup, par contre, l'auberge là où je suis, c'est vraiment, vraiment bien. C'est très sympa. Vraiment une belle auberge à conseiller. C'est très propre. Et puis du coup, ben voilà, après j'étais au night market pour m'acheter des petites brochettes de porc avec du riz. Et ça va être tout pour le programme d'aujourd'hui. Donc demain, eh ben, je repars de Bangkok. C'était juste une étape ici pour aller à Phetchaburi, je crois. Bon, on verra ça demain. En train cette fois-ci. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça va, vous n'avez pas trop froid. Moi ça fait vraiment bizarre d'être au mois de novembre en tong. Je vous le dis, c'est une première. Voilà. Et puis ben, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis à demain. Salut, salut, salut!